Préparation à votre examen CSI. Choisissez l'option qui vous convient. L'examen marque l'aboutissement de votre parcours de formation et la concrétisation de vos objectifs de carrière. Notre but est de rendre cette étape simple et claire. Avec Prométhric, notre fournisseur de solutions d'examen, nous travaillons sans relâche pour permettre à nos étudiants de passer leur épreuve dans les meilleures conditions et dans un environnement sécuritaire. Vous avez la possibilité de passer votre examen soit à distance, depuis le lieu de votre choix, y compris votre domicile, soit en personne, dans l'un de nos centres prévus à cet effet. Examen surveillé à distance. L'examen surveillé à distance vous offre la flexibilité de passer votre examen depuis le lieu de votre choix et au moment qui vous convient, sans avoir à vous rendre dans un centre d'examen. Il suffit de vous inscrire en indiquant le moment qui vous convient et de vous assurer que votre ordinateur et votre connexion Internet répondent aux exigences techniques. Vous devez effectuer une procédure de vérification du système au moins une semaine avant votre examen. Si vous souhaitez faire des calculs par écrit pendant votre examen, vous devez vous procurer un tableau blanc et un marqueur. Vous devez également choisir un lieu qui répond aux exigences d'examen surveillé à distance. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez communiquer avec un spécialiste du soutien technique de Prométhric, soit par téléphone ou à l'aide de la fonction de clavardage. Le jour de l'examen, vous devez effectuer les procédures d'enregistrement 30 minutes avant le début de l'examen. Le temps d'attente pour communiquer avec un assistant peut prendre jusqu'à 30 minutes. Cette période d'attente n'aura aucun impact sur la durée de votre examen. Une fois votre connexion établie, l'assistant vous accueillera et vous enregistrera. Il vérifiera votre pièce d'identité valide émise par un organisme gouvernemental et portant votre photo, et il vous demandera de montrer une vue à 360 degrés de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L'assistant vous posera également quelques questions. Il pourrait vous demander de retirer vos lunettes, de vider et retourner vos poches, de remonter vos manches et les jambes de votre pantalon pour voir vos poignets et vos chevilles. Nous vous recommandons de ne pas porter des vêtements ou des accessoires inutiles. Lorsque l'assistant est certain que tout est conforme aux normes de surveillance à distance, le surveillant prend la relève et l'examen commence. Le surveillant supervisera votre examen et répondra à vos questions si vous en avez. Il vous aidera à résoudre tout problème technique que vous pourriez éprouver. L'examen surveillé à distance est pratique et il offre de la flexibilité aux étudiants, mais il ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes doué en informatique et si vous êtes patient et débrouillard lorsque vous éprouvez des problèmes techniques, cette option vous convient parfaitement. Sinon, nous vous recommandons de venir passer votre examen dans un centre d'examen. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'examen surveillé à distance, consultez la foire aux questions qui se trouve sur notre site web csi.ca/FAQ. Examen en personne dans un centre d'examen. Le centre d'examen offre un environnement confortable et calme pour passer votre examen. Cette option est offerte dans la plupart des grandes villes au Canada et à l'étranger. Il vous suffit de vous inscrire en indiquant le moment qui vous convient et de vous présenter au centre d'examen le jour venu. Le jour de votre examen, l'assistant du centre vérifiera votre pièce d'identité et vous guidera dans les procédures de sécurité requises pour votre examen. Dans certains centres, il vous sera peut-être aussi demandé de présenter une preuve de vaccination sur une application mobile ou sous la forme d'un document émis par le gouvernement. L'assistant est responsable du soutien technique et vous aidera en cas de problème. Il vous suffit donc de vous présenter avec la détermination de réussir votre examen. Si vous préférez passer votre examen dans un environnement officiel et contrôlé, sans avoir à vous soucier des distractions et de la technologie, cette option est parfaite pour vous. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les examens en personne,
veuillez consulter la foire aux questions qui se trouve sur notre site web à csi.ca/FAQ. Vous avez d'autres questions? Consultez le site csi.ca/exams.